Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Total Rome Remastered. On continue notre campagne courte avec les Julie. On avait démarré tranquillement la campagne avec le tuto, on a pris ses gestes, on a fait tomber Mediolanum, Patavium. On a fait quelques batailles contre les Gaulois par-ci par-là. Bon, là ça commence à être intéressant, les Gaulois massent beaucoup de force, c'est un peu ça le problème à l'heure actuelle. Surtout aux environs de Lugdunum, il y a trois petites désarmées, voire ouais, trois armées. Il n'y a pas de généraux, enfin, sauf en loup de nous-mêmes. À Narbomarsus, on a peut-être une petite opportunité aussi à saisir, donc on va essayer de voir un peu comment on va faire tout ça. Déjà, on va passer le tour, on va commencer à former nos armées. Donc je vais embarquer tout le monde, sauf mes deux Astatila. Hop, on va se mettre en embuscade ici. Est-ce qu'on pourrait pas faire une tour, admettons? On va faire une tour pour augmenter notre vision dans les environs. Ah, il y a un moustique qui m'embête. On va ramener notre héritier, Lucius Julius, à la flotte. Comme ça, on pourrait être tranquille. Ou sinon, on peut déjà commencer à embarquer les troupes. Hein. Voilà, on a déjà ça là. Est-ce qu'on pourrait pas faire d'autres astatis là-bas? Tu sais quoi, on va faire pas des astatis, on va faire de la cavalerie un petit peu. On va en avoir besoin de cavalerie en Gaule. Alors, les Scipi contrôlent totalement la ville, c'est plutôt pas mal. Ah, les Britons, qu'est-ce que vous voulez, vous? On propose une alliance. T'es ennemi avec les Germains. Tu m'offres un paiement, je te demande, allez... Allez, si je te demande 3000. Toujours très généreux. Allez, si tu me donnes 5000, l'alliance est dans la poche. Une proposition. Parfait. Des plus généreuses. Comment se faire 5000 de thunes gratos, là? Donc je vais me mettre là en attendant. Là on se retrouve avec des petits renforts. Oh, il y a une deuxième grosse armée là. C'est qui ça? Ah oui, ça commence à déconner moins. À moins déconner là. Alors lui, il est 4 étoiles aussi. Alors qu'est-ce qu'il a? Oh, il a des druides. Il a 3 généraux. Ouh. Il y a l'héritier de faction qui est là. Alors on pourrait choper les javiniers. Bon, il a 2 mercenaires barbares, ce qui peut être chiant. Ah oui, les Gaulois, ils ont déjà spammé pas mal d'unités. Alors je vois un peu leur puissance aux Gaulois par curiosité. Donc là, les Gaulois, ils sont en train de décliner, c'est plutôt pas mal. Ouais, peut-être, mais j'ai pas... déjà 5000, c'est déjà très bien pour le moment, tu sais. Notre Gaulois, il est toujours au-dessus de nous en militaire. Hein. En territorial, on s'est rattrapé l'un l'autre, j'ai l'impression qu'il lui reste plus que 6 territoires. Bon, on va essayer de s'occuper de cette armée là parce qu'elle me fait peur. Je ne sera pas Julie 1 mais Julie 2. Bon, on a quand même de l'équipement, quand même un peu supérieur. Ils ont que la cavalerie qui m'inquiète un peu, mais là globalement je pense que c'est gérable. En ce jour, nous allons affronter les Gaulois. Ce
sont de vaillants guerriers qui savent se battre. Ils sont seuls. Aucun allié n'est venu mourir à leur place. Voilà qui en dit long sur leur honneur et sur la réputation de notre misérable nation. Vous formez l'une des plus grandes armées que notre peuple ait connue. Soyez en fiers, mais sachez que c'est aussi un... Ok. Donc déjà, on va envoyer nos Astati en première ligne. On pourrait même se permettre d'utiliser les barbares. Hein. Alors, c'est quoi qu'on a sur le côté? Oh, c'est l'héritier de faction, ça. Hein. Donc là, on va essayer de provoquer notre adversaire. Qu'est-ce que c'est que ça là qu'on nous envoie? Oh là là, attention! Javelinier, ça c'est chiant. Bon, ça va, ils ont pas eu le temps de tirer. Ce qui est plutôt pas mal. Nous, on va envoyer nos tirailleurs aussi. Est-ce qu'on tenterait pas de passer dans le dos de leur armée, quoi? Bon, c'est bien, ils se ramènent. Ah, ils ont décidé de me traquer carrément. On va essayer d'aller choper leur général adverse. Alors c'est quoi? Oh, les Astati, ils se sont fait complètement briser. Oh. Essayer de venir sauver notre armée. Ça y est. On a eu deux des généraux. Ouais, par contre, d'où mon armée se barre comme ça? C'est quoi tout ça là? Ok, d'accord. On va sortir de ce guépier parce que c'est pas que ça pue, mais ça pue. On va tenter d'abattre leur général ici. Bien joué. Allez, vite, barrez-vous de là. Ah, attends. Mais d'où on se fait dégommer comme ça? C'est pas normal. Oh la vache, c'est ce qu'ils nous ont mis, j'ai pas compris là. Oh la vache. Ah ouais. Il reste quoi là-dedans? Ouais, ouais, j'ai pas compris. Hein. Là, je l'ai pas vu venir. Par contre, là, ça fait chier pour la suite de la campagne. Il va falloir du prendre qui pèse, là. Et là, c'est... Il va falloir du Mercosur. Ah ouais, mon armée là, elle a vite fondu, hein, littéralement. Est-ce qu'ils peuvent nous rattraper? Oh putain, coup, ils peuvent nous rattraper. On va ramener encore des renforts.
essayer de vite ramener nos renforts là-bas. Là, j'étais sur le cul, mais littéralement, je l'ai pas vu arriver celle-là. Oh non, putain. La caméra auxiliaire est-elle mieux que les écouteurs? J'ai envie de te dire que oui, parce qu'elle peut tirer et bouger. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Là, ça pue du cul parce que là. Monsieur, j'achète des marchandises. J'attends vos ordres. J'achète des marchandises. Quitte l'autre écutesse là. Voilà, hop, ça c'est fait. Oh là, mon armée, elle pourra rien faire. Hein. Mais bon, là, si on bat cette force et cette armée-là, on va se regrouper déjà. On va être prudent. Je vais refaire des troupes là où j'en vais en avoir besoin. Oh, il y a pas mal de troupes là disponibles. On va essayer de les ramener en renfort. Hop, un bon renfort d'Astati sera utile aussi. Oh là là, il va pas me lâcher hein, ce stack de, dans de l'enfer. Là. Aïe, aïe, aïe. Je vais me faire défoncer. J'ai 3 unités, bref. À moins que j'arrive à choper le général et à l'abattre, mais... J'avoue que j'y crois moyen. Mal barré hein, quand tu vois le truc. On a tenté un move mais j'y crois pas. Mais d'où tu te fais choper toi? Allez go. Allez, général ennemi abattu. Hop, on va se barrer. Là, le moral, il a craqué d'un coup, alors ça peut... Il y a peut-être un petit espoir, hein, mais pour moi, c'est pas gagné. Hein. J'ai tenté une grosse charge au cœur. Ouh. Oh, ça commence à craquer, là. Ça commence à craquer de partout, là, de leur côté. Non, 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 mais... On va continuer d'avancer sur eux, là. Même si c'est pas toujours dire. La meilleure unité, j'ai envie de te dire des piquets spartiates, mais bon. On va prendre pour un fou. Bon. Attention, attention, contournez là.
Faites-les craquer par là. Bon, là, là on a perdu, je peux rien faire. Donc là on va perdre, on a mis quand même pas mal de pertes, hein. On va pas non plus dire que c'était pas assez. On peut essayer de reprendre des Mercos, ouais. Alors ici, on va vous disperser tous les deux. Ils ont 3 unités, hein. On peut tenter le coup comme ça. Oh, il y a un pont, on va chier. Après, le gros de leur notre armure, ils sont dans le dos. Percer. Voilà, ils reviendront pas, ça c'est good. Comme ça, moi je vais pouvoir me réajuster, me repivoter comme ça. Donc là, les écoutes vont faire juste la pourche. Ah, la graisse, ça pourrait être pas mal, hein, effectivement. Attention. Évidemment. Voilà. La graisse, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une des prochaines campagnes après les Juifs, effectivement. Genre cité grecque ou Macédoine. Voilà, ces unités-là ne reviendront pas. Parfait. Comme ça, donc fusionne aussi là. Donc là, on les a mis mal, hein, un peu les Gaulois, enfin j'espère. Et là, on va ramener Siastati en renfort. Je peux bâtir des choses là. Je vais faire un marché ici. Là, je vais avoir de la statue. Je vais faire tout de suite la ville au niveau supérieur. Là, je peux rien faire pour le moment. Je vais peut-être baisser les taxes. Comme ça, on va gagner de la population. Là, je vais faire un camp de tireur. Voilà, succès déverrouillé, monopole mondial. Je contrôle tous les points d'une ressource. Et l'ambre, il y en a que deux sur la carte. Ah non, il a fait que poser le siège, ça va. Par contre, là, les Gaulois, ils se rament en masse. Alors, est-ce que tu vas réussir ton coup? Il y en a qui a réussi, pas d'autres, c'est ça l'idée. Oui. Voilà, tiens. Cadeau. Monsieur.
Ah non, ils sont pas contents du tout, c'est clair. Cavalerie barbare, ça sera utile. Par contre, là, ils continuent d'envoyer des petites forces au fur et à mesure, c'est plutôt intéressant. Donc nous, on va ramener des renforts aussi. Par contre, faut qu'on essaie de tenir Massilia. Ah, ils ont encore de la cavalerie déjà, c'est là. On va essayer de les battre, je pense qu'il y a moyen. En vrai, je pense qu'il va falloir que je passe au Principes pour avoir une infanterie lourde et qui tienne mieux quoi la route à terme. Il va falloir beaucoup de casernes. Alors, tu viens ? Je vais me mettre là et je vais voir comment ils réagissent. Ah non, ils veulent pas venir, bon. Allez, on passe là en force. Allez. Bien joué, ça c'est bien joué, on va s'éloigner. Maintenant, on va viser là. On va envoyer nos Mercos là-bas. Et là, on va essayer de faire un enveloppement global. Leurs tirailleurs sont bien isolés, ça m'arrangerait. Par contre, le capitaine, faut qu'il meure à un moment. On joue bien tout ce qu'on veut, mais il faudra peut-être pas déconner. Allez, va le chercher vite. Allez, go, dans le tas là. Oh, craquage psychologique total. Oh non, pas le général, putain. Ils font mal les Gaulois. Oh. Bon, on les a eus, mais à quel prix quoi encore? J'ai jamais vu aussi des Gaulois aussi vénères quoi. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Voilà. Ouf. Donc là on est bien. Donc lui c'est le chef, qui est l'héritier maintenant? Bon, on va se mettre là en position. On va reprendre des Mercos sur le chemin en renfort. Je vais faire d'autres javeliniers, je vais faire ça. Là on va voir la caserne améliorée, on va la faire tout de suite là-bas, la caserne de la Légion. On va faire un autre temple. On va avoir d'autres Mercos en renfort. Je me souvenais pas que c'était aussi dur. Hein. Puissions-nous mettre fin non. Tu rêves, toi. Et ça y est, maintenant ça ramène des troupes d'Espagne. Là, je m'en fous du Sénat. Je lui fais la... comment on va dire, la nique. Donc là on se retrouve avec 5 unités de renfort. Voilà. On va se faire des pégus pour renforcer l'armée. Mais là il faut qu'on fasse quelque chose là. Si on arrive à détruire ces armées, ensuite on pourrait se mettre bien. Faites-vous moi des missions cohérentes, bon Dieu.
Alors on a 5 unités. Sauf toi. On est à combien? On est à 17 contre 18. On va être à 19 bientôt. Au prochain tour, je pense qu'on va faire une petite une attaque là sur Luke de Noom et tout. Alors les Pégus, Jojo, c'est juste pour leur public. Les Germains, vous êtes des salopards. L'Alliance trahison. Bah, c'est beau l'amitié. Évidemment. Hein. Où est leur armée? Oh, on l'a vu. Ouf. Ils sont combien là-bas? Alors, je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais... Ils ont quoi? Oh, ils ont des piquets, des détachements de piquets. Ça va être relou. Les furies, on peut vite les dégommer, je pense. Bon, on va continuer de développer l'infanterie. Ah non, il est pas content non plus, cet homme, hein, c'est clair. Je dis pas le nom parce qu'on sait jamais, tu peux comprendre pourquoi. Bon, là, on a... Oh, son armée, il a des épéistes. Ouh là là, il commence. On va tenter de sortir. Bon, on a des triaries. De provoquer nos adversaires. On va tirer au Javini sur eux. De dégager les hurleuses le plus tôt possible. On va faire gaffe à ce que notre carré finisse pas en mode brochette. On va tenter une petite charge sur le côté là des tirailleurs. On va reculer. Non. Attention à la brochette, s'il vous plaît. Merci. Par là, c'est fait. On va commencer ensuite à pilonner dans le dos de ces piquiers. Oh, joli général ce qu'il nous a fait là. Oh, ça me plaît. Non, vous allez vite dégager de là parce qu'il y a, un petit peu du peuple là. On va essayer d'isoler leurs unités, comme ça on se mettra bien. En plus là on va les tirer dans le dos là, j'espère qu'ils vont faire le boulot. Oh, mais c'est que c'est violent, ça, c'est bien. Non, non, reculez, gridez pas, gridez pas. Une petite charge là. Évidemment.
Évidemment, les piquets qui meurent pas, même de prix de dos. Bien sûr, ils ont le temps d'instant retourner le jeu, tu te moques de moi là. Non mais ça c'est pas normal, ça m'a toujours... Bon. Ils s'en foutent. Littéralement, ils s'en branlent. Ah voilà. Là, on est mort. Hein. Je trouve ça dégueulasse, là. Le coup des piquets qui s'instant retourne, non. Ce que je te dis. Vite, rentre là-dedans, toi. Tu vas te faire buter, sinon. Là, je trouve ça dégueulasse. À chaque fois, les piquets, quoi. Ils y reviennent. C'est quoi le dos droit avec les points de sol? C'est quand je me baisse un peu trop, tu vois. Chut. Tu vois. Là, on est dans la merde avec le nord de l'Italie. On va former des statives le temps de tenir la ligne. J'essaie d'emmener des renforts aussi. Hein. Des mercenaires samnites seront très utiles. Encore des autres armées gauloises. Ah, ils en chient des armées. Je vais essayer de faire au mieux. Hein. Ça paraît mal embarqué, mais... Bon. Ok. Je vais aussi faire une forge ici. Là, je peux plus rien faire d'autre. Caserne de la Légion tout de suite. Des murs là-bas seront utiles. Donc là, sous le général, c'est Brennus. Hein. On va essayer de dégager son armée. C'est pas cher parce que tu me roses avec les poignées qui amortissent. Ouais, je sais. Bon. Après, je suis pas non plus pour avoir des trucs exorbitants quand je vois certains streamers. Tu vois, il y a un petit peu d'exagération. Mais bon, c'est mon avis. Moi, je suis qu'un petit streamer. On va essayer de passer devant, tiens. C'est quoi ça? On va essayer de les rendre cons. Évidemment. Alors qu'est-ce qu'on m'envoie de beau là-bas? Des détachements. On peut tenter une charge comme ça. Allez. Allez, hop, bam, deuxième régiment qui se brise. Il jette sur mes lignes, c'est ce que je veux. Comme ça, moi derrière, j'envoie les renforts. On a gagné la bataille de l'arrière. Maintenant, on va essayer de foncer au cœur de l'armée adverse pour aller dégommer leur général. Bon, là, le centre, il est un peu craqué.
Vous êtes sérieux là, avec perdre contre des détachements, vous êtes des nuls. Voilà. Voilà, parfait. Il reste un détachement de tireurs à les dégommer. Allez, go, go, go. Dégage. Allez, go. On va essayer de dégager leurs épées, je veux pas qu'ils reviennent eux. Voilà. Moins il y en a, mieux c'est. La cam a freeze, ah putain. Ça, ça me saoule, tu sais pas pourquoi la cam tout va bien et là... Alors attends. Parce que là je pourrais peut-être pousser sur le Gdounoum hein, quand j'y réfléchis. Alors attends. Je vais pas laisser la cam comme ça, je vais la désactiver jusqu'à la fin, désolé. Alors la cam, webcam. Hop, j'ai disparu. Comme des fois, elle a envie de faire sa crise, elle freeze. Elle est pas frisienne, hein, mais vous avez compris. Il y a une autre armée là, ouais. Maintenant, il y a ce problème là. Là, je pense qu'à deux armées, on devrait pouvoir faire quelque chose. On va essayer d'aller calmer un peu les Germains quand même. Ah, écoute, hein, ça arrive. Hein. De toute façon, là, je vais. Ça sera la deuxième partie, je vais la terminer. Là. Alors, ils viennent d'où? Voilà. J'aurai deux généraux de près. Bon. Évidemment, ils vont se mettre dans une position de cochon. Qu'est-ce qu'on a là? Des tirailleurs, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. On s'éloigne. Que les piquets en formation, ça peut être ultra vénère. C'est quoi ça? Tu vas pas me dire j'en ai dégommé que 3? Sans déconner. Allez, fini là. Non, 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 mais putain, oh, attention. Allez, vite, go, 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 là. Ah bah voilà. Enfin quoi. Un peu de logique à un moment. Attaque,
Allez, tiens, comme ça au moins, rentre chez toi. C'est une victoire héroïque. Digne. Ah bah les Germains, mon Dieu quoi. Comme ça tu vous rentrez là-dedans. Donc toi tu vas vite partir le temps 2. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Là on va refaire tout de suite nos forces, ce qu'il va en avoir besoin. Et là je peux pousser directement sur Lugdunum. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être même récupérer la ville. Alors juste dégommer leur général. On va essayer d'être opportuniste là-dessus. En vrai, si je prends Lugdunum, je me mets très bien, quoi. Ah bah écoute, hein. Alors, ils sont où ces renforts là-bas? Allez, go! Première unité d'anéanti. Oh là, attention, c'est quoi qui me ramène? Chassez-les du champ de bataille! Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut! Allez, on va l'encercler. Le seigneur de guerre Vindex là. Allez, abattez-le, abattez-le, parfait. Oh, première unité qui craque, ça c'est bien. Va aider par là, toi. Allez, c'est le momentum là. Pourvu qu'ils reviennent pas. Ah, je serais fou si 6 soldats ils se reforment. Oh. On va juste occuper. Alors, on va faire ça. Et je vais faire tout de suite un hôtel en hommage à Jupiter. Je vais faire une caserne des murs. On va commencer à se refaire. Par contre, là, faut faire attention derrière parce que... Bah, c'est pas qu'on a des petits soucis, mais on a des petits soucis derrière. Hein. Faut qu'on continue de former des troupes. Ah, les Scipions ont pris Carlis, tant pis. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Puissions-nous? Tu veux un cessez-le-feu? Bon. Ah ouais, tu t'es pris les brutins en dans la tronche, donc t'as peur. Tu vas. Oh non, 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 attends. Non, non, il va me donner Yuvanum, c'est vraiment le gros piège, quoi. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Cher ami. Tu veux une alliance? T'es ennemi avec les Germains et tout. Bon, pour le moment, j'ai accepté. Je te demandais tes infos géographiques, les miennes. Un accès militaire, je t'offre le mien. Et je te demanderai même un petit peu de pognon. Parce que je... Non, 5000, il ne voudra pas. Si je te demande 4000. Cela ne nous est pas lucratif. Évidemment.
La Macédoine n'existe plus. Oui, capitaine. Oui, mon capitaine. Prochain tour, on pourra terminer ça. Bon, le Triari sert plus à rien. Il commence à former beaucoup d'épéistes là. Ouh. Alors déjà toi. Déjà que la Gaule c'est un beau bordel. Alésia est au nord. Alésia est tout au nord. Hop. On va faire des gardes civiles en attendant. Donc on a la vue sur Alésia qui est la capitale des Gaules. Loi. Il me resterait combien de colonies à prendre? Donc là on sera quasiment à la moitié. 7 et 2, 9, 10, 11, peut-être 12. En vrai, une petite contre-attaque sur Yuvanum, c'est vraiment tentant. Hein. Je le dis ouvertement, ça me botte. Mais bon, faut avoir l'armée. J'avais un espion gaulois, un espion gauche, je sais pas où il est. Ah, il est là. T'as quoi là? Ouais, t'as 7 unités quand même. Hein. T'es pas un rigolo. Ah non. Ok, il m'attaque là, c'était à prévoir. Alors déjà je rappelle, pour que les Britons ils gagnent, ils doivent détruire les Gaulois et avoir 15 colonies. Hein. Bon, ils en ont pas encore 15, ils en ont 6 ou 7, ils sont à peu près comme nous. Ici. Déjà on va trier. Alors je vais laisser ça, ça, ça. Voilà, comme ça au prochain tour on pourra faire une attaque. On pourra peut-être même faire tomber Narbo Marsus avec un petit peu de chance. Et par là il nous ramène déjà des renforts les Germains. C'est un peu embêtant. Là, on peut former nos premiers principes qu'on va former immédiatement. On va en avoir besoin pour commencer à changer d'équilibre. La nouvelle version des Vélites, on dirait des frondeurs un peu. Attends, t'avais vu des Vélites où? Ah oui. Bah franchement, ça va. Quand tu penches de près, ça va, j'ai envie de te dire. Donc là il faut tenir au prochain, espérer que ça n'en est pas dans nous au prochain tour. Là on a de la cavalerie qui se forme, c'est bien. Je pense qu'on va laisser faire une petite contre-offensive chez les Germains. Ouais, ça va les calmer un peu. Bon, les traces sont toujours en vie, c'est cool. Ah, d'accord, ça ramène déjà une autre force. Hein. Ça a envie d'avoir aucune race, on a compris. Il y a un autre général qui se pointe ici, ok. Ils ont encore combien de cités, là, les Gaulois? Alors les 5 meilleures factions, donc c'est nous, les Brutiques, les Grecs. Bon, l'Egypte, ils sont en train de s'envoler. Le classement financier égyptien, par contre, c'est pas ça. Hein. Oh, l'Egypte a déjà 10 territoires. Et nous, bah, on continue de grimper. Hein. On est à 7, on va peut-être revenir à 8.
Il faudrait au moins dégager cette armée-là. Après, cette deuxième armée, elle est moins forte. Parce qu'il n'y a pas d'épéiste. Ça, ça pourrait être un coup à jouer. Bah, tu sais quoi, on va emmener des renforts. On va les taper Yuvanou. Hein. Ils nous ont fait assez de dégâts comme ça, eux. Hein. Hop. Et là, on va commencer à dégager les Gaulois de Marsilia. Donc, leur général, c'est le cavalier. Ok. Oh, les batailles de pont. Ils arrivent dans le dos. Oh non. Vite. Alors, on va essayer de jouer là-dessus. Aïe, aïe, aïe. On va tenter d'y aller directement en franco. Comme ça, si on peut au moins éliminer une unité, là, toute notre armée sera déployée d'un coup, comme un seul homme. Oui, bien sûr. Ah bah oui, en plus, je me mets bien dans la colline, moi, comme un gros con. Allez, go. Viens jouer. Voilà. Ils étaient 330, ils rentrent à 36. Hop, cette armée-là n'est pas prête de revenir. Par contre, là, on a des troupes qui ont bien souffert. Hein. On va pouvoir faire une garde civile ici. Là-bas, c'est bien. Là, on pourra avoir enfin nos premiers statis en Gaule. Ah. Donc, on essaie de détruire aussi cette armée, comme ça, on sera sûr. Là, il y a encore une armée. Je pense que si on prend moins Narbo Marsus, là, on peut vraiment mettre une bonne pression sur les gogos. Parce que là, ça en fait 10 villes. Là, si on prend Yuvanum, on est à 11. Hop, là, on est à 9 unités. On va tenter d'abattre la deuxième armée. Bon, j'ai à écouter ce qui va me servir à rien. On se le dise. Par contre, il faut que je continue de bourrer les bâtiments militaires à Lugdum. Je vais faire une ville militaire à Lugdum. La population, ça va pas être ma priorité pour l'instant. Pareil ici. Monsieur. Allez, on y va. Alors on rappelle, le général de cette armée, c'est quoi? C'est un cavalier aussi, ok. Ce sera la dernière bataille de l'épisode. Comme ça, là, on pourra dire qu'on a défoncé du Gaulois à gogo. Hein. Et je déteste les batailles de pont, de base. Alors, à moins que vous allez vous camper comme des sacs, c'est ça l'idée?
Ah non, vous... Ah si, vous campez, d'accord. Ah, vous êtes comme ça, vous. Essayez de provoquer l'adversaire, même si je crois que ça va être compliqué. Ah, tu peux même pas te poser comme tu veux, c'est une blague. Voilà, approchez, approchez. Oh non, il me tire dessus, saloperie. Reculez. On va tenter un truc. Là, faut faire un assaut massif, hein. T'es sérieux là? Ah bah voilà. Ah, il y a du moral qui sauve, qui commence à dégager. Allez. Voilà, parfait. Gloire et victoire. Bon, je pense qu'on va remonter l'armée. Je vais juste me mettre dans la ville, je vais essayer de reformer quelques troupes. Ça devrait aller, et comme ça là après contre-attaque sur les Germains. Qu'est-ce que tu veux toi? Salutations. Vas-y, va pour le commerce, ça m'intéresse. Putain, ça sort des armées à ne plus savoir quoi en faire, hein, littéralement. Ah bah voilà, au moins on a une unité qui est reformée de mercenaires. Et là on va se mettre en route pour la Germanie. Oh, des régiments de piqué. Voilà, au moins on est prêt. Là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Alors, ils ont beaucoup d'argent les Gaulois, ça c'est relou. Oh, il y a une grosse armée de Gaulois qui s'est regroupée là-bas. Ok. Encore une autre unité de Mercos là. Dépayiste. Bon, on va se laisser. Alors, on va se mettre là, on va se préparer. On va essayer de battre cette armée. Qu'est-ce que j'allais dire? Je regarde, il n'y en a plus trop de mercenaires. Non. Mais bon, après, les épéistes, je pense qu'ils sont gérables. Quoi. Ils ont juste. Une fois qu'on tue le général, je pense qu'on s'accélère bien les choses. Quoi. Là, je vais rajouter aussi ça. Par contre, là, il faudrait que je vois c'est qui l'ennemi des Gaulois, à part nous. Alors, statut diplomatique, les Gaulois. Ah ouais, il n'y a que nous. Par contre, Carthage Germanie, curieusement. Hein. On comprend pourquoi.
Ok, je comprends mieux. Donc il resterait 1, 2, 3. Il resterait 4 villes aux Gaulois. 1, 2, 3. Ouais. Donc moi je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a bien tenu bon face aux Gaulois. Bon, les Germains, on a eu une trahison. Il fallait s'y attendre. On va les repousser juste rapidement pour la prochaine fois aussi. Comme ça, là, on essaiera d'aller chercher Yuvanum. C'est pas notre objectif, mais c'est si on peut avoir une bonne base militaire ici pour sécuriser le nord d'Italie. C'est toujours agréable. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. YouTube, des bisous. Ciao, ciao.